J'avoue qu'il y a énormément de projets que le chef d'État avait déjà anticipés, parmi lesquels le projet d'Enali de 32 MW. Ces centrales, normalement, devraient être déjà en marche. Pour plusieurs raisons qui ne sont pas vraiment du côté de l'État, le producteur, le fournisseur n'a pas pu honorer. On est parti sur place. Avec vous, naturellement. Et on a élaboré un certain nombre d'objectifs communs. Donc on a consigné avec Denali et nous pensons que le 15 janvier, au plus tard, les centrales doivent être mises en marche. On a fait une réunion de travail avec tous les acteurs. Des actions précises ont été consignées pour que les centrales soient mises en route. L'objectif de l'équipe énergie, c'est de faire en sorte que avant la fin de l'année, c'est-à-dire du mois avant la prochaine canicule, on y est entre 120 et 150 mégas. Il faut préparer carrément une politique énergétique sur le long terme, sur 40 ans, sur 50 ans. Ce sont ça les instructions du chef de l'État.